Don't you die on me, damn it! BB's dropping! Intubate, now! Cardiac arrest, he's in BFib! Clear! No response. Hit him again! Clear! How's he doing? Well, he's stabilized. But it took too long. He's in a coma. What about him? Yeah, took some shrapnel to the head. Vexem. V has come too. V has come too. Who is me?
À quoi il se met ? Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Très bien. Jeunes gens, l'heure des révélations. Ya ya YouTube, c'est Sean Kesma et j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le 51ème épisode d'Intra Aventure sur MGS5. Tu vas me laisser parler, Doc, au moins le temps que je fasse mon monologue du début. On se retrouve donc pour, je pense, l'épilogue de notre aventure sur ce MGS5 qui aura été, je pense, génialissime, tout bonnement. Le truc, c'est qu'on est de retour à l'hôpital pour la mission numéro 46, dans lequel, apparemment, l'agent V, si j'ai bien compris, s'est réveillé. Sauf que l'agent V, il ne semble pas que ce soit Big Boss. Ce qui veut dire que je pense être au contrôle de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, je pense que je sais c'est qui. Mais si c'est pas le cas, je dis peut-être n'importe quoi. Voilà. I'm afraid it's been 9 years. How do you feel? Je me sens comme quelqu'un qui s'est fait anesthésier il y a une semaine. Sinon, à part ça, toi, ça va? Non, parce que sans déconner, la phase dans l'hôpital, c'est... Oh! Oh, il m'a fait peur! Oh, la vache! It's been 1 week since you came too. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy and EMS. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. They noted their own citizens were among. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Nosocoma, Grigor! Try to calm down! Calm down! Please! Calm down! It's gonna be okay! Yes, yes! Calm down! Yes. Yes. Yes.
Κάποιος ήδη γνωρίζει ότι έχει ξυπνήσει. Ναι. Πρέπει να ανακοινωθεί άμεσα. Le jour des pâtes. Προετοιμάστε τον για εγχείρηση. Oula. Ça doit pas être le jour des pâtes vu comment il me regarde. Bonjour, je n'ai pas entendu un traître mot de ce que vous étiez en train de dire, mais alors pas du tout. You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world out there, so there's something we need to take care of first. This is you, as you've lived until this day. I'm going to change your appearance. We have no other choice. Mais du coup, ça se passe comment? Je vais devoir modifier de nouveau mon visage ou ça va se faire automatiquement? Ça se fait automatiquement, très bien. Very good. Now, let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. Oui, bah c'est bien, c'est des photos de moi. Jusque-là, je sais pas. Je sais pas, et d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui ont été modifiées depuis le premier épisode. Qu'est-ce que... What the fuck? Attends. Un, il y a mon avatar. Deux, je me souviens pas avoir signé cette lettre. Trois, tu feras gaffe, il y a quoi, Yod, derrière toi. Everything feels all right. Attends, y'a un truc qui tourne pas rond là. Y'a un truc qui tourne clairement pas rond. Et le doc il est en train de se faire tuer. Ça on connaît, on sait que ça se passe bien, ou en tout cas de ce que je me rappelle, ça se passe pas si mal. En espérant juste qu'il n'y ait pas quelques modifications sur la route. Après il faudra qu'on discute, parce que là il y a un truc qui tourne pas rond. Mais clairement. Oh, non. Bonjour. Bonjour, tu me fais pas de mal hein.
Okay, have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a light. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news? The world wants you dead. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Need a little pick-me-up? Okay. Here. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Come on! Ok, je capte pas tout, enfin, du moins en partie, parce que là, tout ce qu'on a vécu, on l'a déjà vécu dans le premier épisode pour ceux qui l'ont pas regardé en tout cas. La personne qu'on a croisée, la femme qui a tenté de nous assassiner, si vous l'avez compris pour ceux qui n'ont pas vu, c'était Quiet, et c'est d'ailleurs à cause de cette phase qu'elle est devenue la personne qu'elle a été durant tout le long de notre aventure. Il y a des questions que je me pose beaucoup sur Ishmael en fait. Alors, il va sûrement me corriger pour la suite, mais je pense que Ishmael, c'est en fait Snake. C'est idiot dit comme ça, mais je pense que depuis le début, on croit incarner quelqu'un qu'on n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et on va apprendre que tout ça, c'était un complot mené depuis le début, que c'est le bordel total. Je sais pas. Alors ça aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a des points de vue qui changent. Et tant mieux en même temps, parce que ça évite une redondance. Mais ce qui serait bien à partir de là, c'est qu'on se réveille. Alors je me rappelle que c'est la galère au moins jusqu'au détour du couloir. Donc ça veut dire que je vais devoir ramper pendant encore une dizaine de mètres. Alors selon moi, je pense que la mission va s'arrêter au moment où on va sortir de l'hôpital, hein, tout bonnement. Mais à ce moment-là, je me rappelle que Ishmael conduisait, on a eu un accident, et qu'à ce moment-là, il disparaît. Je pense, selon moi, que c'est à ce moment-là que ça s'arrête. Et qu'ensuite, on aura toutes les explications que l'on veut. Ma théorie est fumante, hein, ça pue depuis le début, ça se trouve, c'est pas du tout Snake. Mais je sais pas, il y a tellement de... La photo était hyper étrange. La photo était super étrange, je sais pas quoi penser. Allez Snake, tu peux le faire. On sait que tu peux le faire. Par la suite, tu vas me faire même mieux que ça. Donc là, tu vas te bouger les fesses et tu vas faire ce que tu peux pour la suite. Oh, on le connaît ce couloir. Oh oui, on sait très bien même ce qui s'y passe. Allez, debout soldat. Debout. J'ai dit debout. Debout, debout, debout. Il veut pas se lever. C'est pas grave. On fait ce qu'on peut. Allez! Oh bordel! Oh oh! Oh la voilà! What the hell is that? Something's coming. On le connaît. Oh oui, on le connaît. Et je suis pas fier de le retrouver. Attends, c'est moi ou il a pas la même dégaine que la première fois? Si, 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 si. Il a la même dégaine. Non, attends, attends. Il avait le manteau noir la première fois?
Ok. Bon. On n'est pas totalement étonné. On s'en rappelait. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on arrête de se dandiner comme une pauvre sardine. Et voilà. Qu'on commence à se lever. Parce que la suite, oula, va être technique. Allez, Snake. Allez, bonhomme. Tu peux le faire. Je sais plus comment je dois t'appeler. Est-ce que tu es Snake? Est-ce que tu es pas Snake? Tout ce que je sais, c'est que là, tu me fais penser à une boîte de thon qui n'a pas envie de se faire croquer et qui veut échapper à la mort. Debout! Bordel, il veut pas... Si, c'est bon. Si, c'est bon. Ça y est. Ah, on y est. Ok, c'est bon. On a passé la phase la plus compliquée. Je suis désolé, hein. C'est pas que la manière dont ça a été fait me gêne. C'est juste que Enfin... On l'a déjà vécu, la phase de la sardine, donc c'est énervant de devoir se redandiner pendant 10 minutes. Nous, on veut la réponse, on veut savoir comment ça se passe. Hold up, let's fix this. Next time you hit yourself, it's always good to try and mend your injuries while hiding from the enemy. Over there. Ok, là je suis bien, j'ai récupéré mon bras, par contre on est moins bien, il y a les méchants qui débarquent. Donc l'idée à partir de là, c'est de se la jouer discretos. Au moins, j'ai récupéré le contrôle de mon corps, donc jusque là, ça le fait. Ça le fait tranquillement. Voilà, Ismaël, il se dandine. En fait, ce qui est marrant, c'est que t'as vraiment cette impression de rejouer réellement le premier chapitre. J'ai même le tuto, les gens, ils se sont clairement pas foulés en fait. Ça va pas bien se passer pour lui. Ça s'est pas bien passé pour lui. Non, je l'avais dit, hein, moi je le sentais. Ah, il était encore vivant, non? T'es gentil, quand tu fais le ménage, t'en fous pas sous le lit. Après, c'est galère à brosser. Oh de Dieu. Isma, Snake, Poto, cousin, je sais plus ton nom. On va s'en sortir. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Je peux te le dire, hein, je l'ai déjà vécu. C'est normalement, ça se passe bien. Mais comment ils font pour pas nous voir? Le mec, il avait juste la flemme de se baisser. Mais comment tu fais pour pas me voir? On est deux. What? Ça se passe bien. Ok, on est bien. Je propose de bouger. On bouge? Let's move. On bouge. Ok. Pars en premier, je te rattrape. On est bon. Help me! I don't want to die!
la révolte des saumons sauvages. On s'en va. On s'en va, je ne veux pas rester dans la zone. Il y en a marre des messieurs armés alors que moi je suis pas armé et totalement huilé. Ok, Isma, tu m'attends, hein. Isma, ferme la porte dès que je passe. Sent clairement pas bon. Est-ce que... Ah, je peux pas encore inverser ma vue. Ça, par contre, c'est malheureusement un problème. C'est malheureusement un problème... Ouh ! J'ai pas vu l'hélico ! J'ai pas vu l'hélico ! Je le cherchais ! J'ai fait la même gaffe que la première fois, c'est incroyable ! Bon, on y est de nouveau. Cette fois, l'hélico, je l'ai à l'œil. Ou en tout cas, j'essaye. Mais regarde, l'hélico, il est là-bas. Il n'y a pas de problème, normalement. Voilà, j'ai fait la même chose. Sauf que tout à l'heure, l'hélico, il m'a dit fuck. Oh, ça, c'est pas chouette. Mais genre, pas du tout. Oh, pas du tout. Pas du tout. Attends-moi, Isma. Cette phase, on s'en rappelle. On fait attention, on se rappelle que la première fois, on s'était fait repérer. Parce qu'il y a des mecs qui vont vouloir escalader au moment où nous, on va vouloir descendre. Et je me souviens avoir fait n'importe quoi à ce moment. Ok. Je te lâche pas, mon Tisma, hein. Cette fois-ci, je te suis. Tu es mon coach, tu es mon capitaine de bord, tu es mon guide du tourisme. Je te lâche pas. D'une semelle. Si je pourrais, je te tiendrais le pyjama. Mais je peux pas. Oula. Ok. C'est à ce moment-là qu'on était mort la première fois. Hein. Premier fail qu'on avait fait dans le jeu. En plus de l'hélico, mais. T'as me grigola. Come on. Ça se para, Carlos. T'es cool, Bioké. Ne vle pas. What's happening out there? It's all right. We'll be okay. I can't see what's happening. Do you hear that? What's going on over there? Hey, Isma. Huh? Isma. T'es où, Isma? Ah, hey. Isma. Hey. Attends-moi. Reste pas devant. Huh? Ça pue devant. Hey. I can't see what's happening. What is that? What's happening out there? Huh? Does anybody know? Hey. Do you hear them coming? Damn, ce boule! Isma! Ton boule m'avait manqué. Ok, on est toujours en vie. Et la suite, on s'en rappelle. C'est parti. Première véritable phase de discrétion. On va très très vite. L'objectif, c'est de se cacher sous le lit. T'es Ismaël. Ok. On va attendre tranquillement. Là-haut, il y a deux soldats. Normalement,
ils sécurisent juste la zone et ils s'en vont dès qu'ils en ont l'occasion. Je te lâche pas, Isma. Oula, je te lâche pas d'une semelle. Tu bouges pas, hein. N'empêche, pour tout ce qu'on a vécu depuis le début de l'aventure, on pourra pas dire qu'il n'y a pas eu du spectacle. Ça c'est sûr. C'est bientôt fini. On bouge pas. On bouge pas et normalement ça se passe bien. Voilà. Gentil garçon. Va-t'en. Va-t'en. Isma, tu bouges? Isma, oui, il bouge. Attends-moi. Attends-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Anything? Negative. He came in here. Keep looking. Oh oh, ils reviennent, on se bouge, attends-moi, non, déconne pas, ils reviennent, bordel, je passe par là, je pense pas que ce soit le bon plan, je me dépêche, je panique, ok. No problemo, on est parti. Ah oui, je me rappelle de cette phase, elle est super stylée en plus. On se camoufle parmi les cadavres. Ok. Pas bouger. Il y en a devant. Il y en a derrière. Oh, ça va être technique. Je me rappelle pas comment se finit cette phase. Ah ! Non, c'est bon. J'aime bien parce qu'on a un gros plan sur le bout d'Ismaël.
D'accord, mais alors c'est à partir de ce point que, comment dire, que Burning Man il a perdu sa veste en fait. Parce que, souvenez-vous, cette scène, la première fois, on n'y avait pas fait gaffe à cet élément. Mais c'est ça qui était intéressant parce que tu peux voir tout le chemin que t'as parcouru entre temps et du coup tu réalises des choses que tu n'avais pas vues la première fois. Des petits détails débiles. Mais ça prend sens petit à petit et tu te rends compte la première fois que tu avais loupé beaucoup de choses. Ok, donc on poursuit. Jusque là, on s'en rappelle à peu près. Je vais bientôt obtenir une arme. Bientôt, je vais avoir la possibilité de me défendre. Et là, on va atteindre... On est sur la fin, Jean. On est sur la fin, normalement, de ce chapitre. Ça veut dire qu'on va bientôt avoir les fameuses révélations. La raison pour laquelle est-ce qu'on se retape tout ce chapitre. La seule, l'unique. Mais vas-y, bouscule-moi, je te dirai rien. Non mais oh. Non mais oh, non mais oh. Ok. Passe devant. C'est toi qu'elle flingue. Oh oui. Je m'en rappelle de ce couloir. On s'en rappelle. Ok. On se camoufle. On se camoufle. Y'a pas de problème. Ça se passe bien. Oh le headshot. Oh le headshot de la muerte. GG. J'espère que ses potes ils ont pas entendu. Je me rappelle pas hein, de toutes les scènes, jeune Jean. Je sais que je suis mauvais. No problemo. Voilà. On est bon. On est bon. On est bon. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On est bon. Isma. Isma, attends-moi. Isma, attends-moi, s'il te plaît. J'ai un chargeur plein. J'ai un gros silencieux. J'aimerais pouvoir t'aider sur cette phase. Alors, par contre, je vise clairement comme un pied. C'est difficile à dire, mais la visée est pas pareille en fait. On sent clairement que la sensibilité n'est pas du tout la même. Ok, on va essayer de faire quand même avec ça. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Là, je me sens mieux, là, tu vois, là, je peux me défendre moi-même. Le danger, je rentre dedans. Parlons-en de ce qu'il vient de faire parce que 1, ça c'était grave stylé. 2, je crois qu'on peut pas le faire nous, hein. J'ai déjà essayé et malheureusement ça ne passe pas. Je me suis fait repérer mais pas pour longtemps. Je sais pas si l'objectif c'est de tuer des gens. Parce que sinon je veux bien essayer de me faire la phase en full fufu. C'est une porte de sortie ou pas? Ou pas, non c'est pas une porte de sortie. Ok, il y a des gens qui m'aperçoivent. Des gens qui m'aperçoivent. On attend. On n'est pas pressé. Du moins sur la première phase. Regarde de l'autre côté. Voilà. Ça se passe bien. Maintenant l'idée, tu vois, c'est d'atteindre très vite la sortie.
Moi je le vis bien, pas de problème. J'ai été repéré par le gros méchant, ça me va. Je sais par contre pas comment je vais faire. YOLO! Voilà, fais-moi plaisir, travaille le corps, moi je me taille d'ici et le plus vite possible. Oh, dégage, dégage, dégage. Oh non, j'ai plus de balles, Ismaël, bouge-toi. Get in. Oh non, on l'a déjà vécu, on sait très bien comment ça va se finir. On s'accroche. Oh le bordel. What? Bonjour monsieur. On prend pas de passagers. Isma, le volant. Isma, je rigole pas. Le volant. Oh bordel. Je rigole pas. Ah, pourquoi c'est moi qui conduis? Thank you.
This way, boss. Hurry. Use that bike. It's tuned up and ready to go. I'll handle the rest. Here. That's your name as of today. You best change your face, too. This one, he'll take your place. From here on, he's Snake. He believes it, too. My very own Phantom, huh? Boss, the whole world wants your head. Don't worry, he can handle it. Move now, quickly. Aren't you forgetting something? We'll meet again. Right. Là, je suis sur le cul. Franchement, cette scène, on s'en est douté, je vous jure, depuis le début de cette mission 46, on le savait, on l'a tous su, on l'a tous deviné ce qui allait se passer à la fin, mais c'était génial, c'était génial. Ça veut dire que le vrai Big Boss s'est enfui, il porte mon nom, voilà, donc représente le Kazma, tout ça. On incarne depuis le début une doublure, un clone si on veut, ça... Je dirais pas ça explique beaucoup de choses en fait, parce que comme je l'ai déjà dit au début de l'aventure et durant quelques épisodes, pour moi, MGS5 aura été le tout premier épisode que j'ai vécu. Par contre, on m'avait dit à plusieurs reprises que l'épisode était censé se passer entre deux. Mais du coup, ça explique tout. Ça explique tout. Le vrai Big Boss n'a pas eu son fameux accident. Enfin, il a eu un accident, il est resté dans les vapes pendant 9 ans, mais il n'a pas eu de bout de shrapnel dans le crâne, il n'a rien eu dans le corps, il n'a pas perdu son bras. Le vrai est en vie. Pur et dur, et depuis le début, j'incarnais une doublure. C'est génial! La manière dont ça a été amené, je trouve que c'est fou. Enfin bref, l'aventure s'arrête ici, je pense pas qu'il y ait plus. Je vous fais de très très gros bisous. Ah, attendez une seconde, peut-être pas.
remember who you are, what you were meant to do. I cheated death thanks to you. And thanks to you, I've left my mark. You have too. You've written your own history. You're your own man. I'm Big Boss. And you are too. No, he's the two of us together. Where we are today, we built it. This story, this legend, it's ours. We can change the world and with it the future. I am you and you are me. Carry that with you wherever you go. Thank you, my friend. From here on out, you're Big Boss. Chapeau bas, je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Merveilleux, c'est génial. Ce jeu qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, bordel. 51 épisodes jeunes gens dans lequel on a vécu que de la folie. Kojima, je t'adore, surtout que là tu nous prépares un jeu encore une fois qui a l'air d'être de la bombe. C'est la fin de notre aventure, on aura vécu tellement de choses. Et c'est pas fini, il me reste des choses à faire en termes d'annexes, mais tout ça je le ferai de mon côté histoire de bien compléter le jeu à ma sauce. J'espère que vous avez apprécié en ma compagnie cette aventure. Je vous fais donc de très très gros bisous, je vous laisse là-dessus. De grosses révélations, mais je suis tellement content de vous l'avoir proposé finalement ce jeu. Voilà, on y est, c'est la fin, je... Ça m'énerve en fait, parce que j'avais pas envie que ce soit la fin, je voulais tellement en voir plus, mais après, l'annexe, tout ça, c'est pas fou à regarder. Je voulais vraiment me concentrer que sur, à la limite, l'annexe, mais important. Et c'est ce que j'ai fait, ou du moins c'est ce que j'espère avoir pu vous proposer. De gros bisous, on se retrouvera donc pour de nouvelles aventures, sans Big Boss cette fois-ci, mais avec toujours autant d'émotions, avec toujours autant d'action et toujours autant de plaisir à vivre des aventures. De gros bisous, c'était Sean Kazma, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. We'll be right back.
What was it all for? If the boss has some plan, what is it? The real big boss is working separately from us to create his new nation. New nation? A military nation above and apart from all. The true Outer Heaven. Something created to maintain world balance. Independent of the struggles for supremacy, for personal profit, the cycles of revenge between countries. It'll be an army, all right, but more. Big Boss is building a nation. But until it's complete, we support the other Big Boss. The Phantom carries on his legend, his meme. That is Big Boss's plan. So that's the way it is. 9 years ago, I thought everything had been taken from me. But now I really have lost it all. The boss, and the future we were building together. One day, the age of Big Boss's sons will arrive. They'll likely want to settle the score with him. We have to shape that age. We'll each have roles to play. Building the foundation for a revolution led by both Big Bosses, the True One and the Phantom. No. Big Boss can go to hell. I'll make the Phantom and his son stronger to send him there. For that, I'll keep playing my role. You know, sooner or later, there'll be only one boss. There's only room for one boss. His sons are fated to face each other someday, too. If the day ever comes that you go back to Cypher, I'll aid the other son. And then you and I will be enemies, too. One of us will have to kill the other. Fine by me. I'll be ready for the new age. Until then, we better get used to coexisting.